για σάρα. Σε σαν τον κουστά, πασκε σε ρίμου. Τε μεγιόρ πλήμ, τη κορτινά αφρικέ μου γιορτή. La Guinée a eu l'opportunité de fêter les nombreuses distinctions qui leur ont été attribuées à travers le monde. Je pense qu'on n'a pas fêté suffisamment. En tout cas, comme c'est notre ami, il sache qu'au sein de l'UFDG, on est très fiers de lui. En tant que citoyen guinéen, non pas en tant que simplement militant de notre parti, mais en tant que citoyen guinéen, on va être fier d'un talent comme celui-là. Toli Kémo, et merci pour ton amitié. Je voudrais commencer par, nous sommes évidemment à la fin de l'année, je vais donc commencer par vous féliciter pour le travail accompli au long de l'année 2019. Vous avez beaucoup travaillé en 2019. On n'a pas souvent travaillé en fonction de notre propre agenda, mais par rapport à l'agenda que M. Alpha-Condé nous a imposé. Une élection communale de 12 mois, alors qu'elle n'est pas encore terminée. 12 mois. Nous sommes dans les élections. Quelle démocratie. Nulle part en Afrique. Et dans l'histoire de la Guinée, on n'a jamais enregistré une élection aussi longue. Sur le continent, nulle part ailleurs. 12 mois. Depuis le 4 février, l'élection est terminée. Jusqu'à présent, on n'en a pas fini avec. Notre pays est spécial. Mais ce n'est pas le pays, c'est Alpha Condé qui est non spécial, un président spécial. Je vous ai toujours dit qu'il n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle. C'est un accident de l'histoire. Comment voulez-vous organiser une élection le 4 février et que jusqu'à présent, vous n'en ayez pas fini avec? J'étais en train de dire que je suis fier de vous et je vous félicite pour le travail que vous avez fait pendant cette année. D'abord, par rapport à ces élections, nous avons mené une campagne électorale efficace, digne et responsable. Nous avons sensibilisé nos compatriotes sur la gouvernance qu'on veut instaurer dans notre pays. Nous avons été entendus et compris. Les Guinéens ont voté pour les listes de réfugiés. Nous n'avons pas pu sécuriser tout parce qu'il y a une fraude massive. D'abord au niveau des bureaux de vote. La fraude a été massive. Nous avons vu ici, on nous a montré des PV précochés qu'on a pris avec des chefs de quartier. Des PV parallèles distribués par la CENI avec la complicité de l'administration. Précochés en faveur du RDG. On a pris des gens. On les a trimballés à la gendarmerie avec les preuves irréfutables, puisqu'on avait des pièces. La gendarmerie n'a pas voulu statuer parce que c'était en faveur du RDG. Il y a eu une fraude massive au niveau des centralisations que nous avons pu mettre en évidence devant les organisations de la société civile, devant les partenaires techniques et financiers, devant l'administration. Le gouvernement était confondu. Il a demandé qu'on aille au dialogue pour trouver une solution politique.
qu'on détenait était irréfutable. Au niveau de la centralisation, ils ont changé les résultats issus des bureaux de vote. On est allé au dialogue. Pendant 5 mois, on a renoncé au siège accru dans les communes. On a trouvé un compromis. On a signé un accord. Alpha Condé décide délibérément de ne pas appliquer l'accord. Mais avant l'accord, vous vous êtes mobilisé pour exiger la publication des vrais résultats. Nous avons organisé des manifestations pacifiques qui, comme d'habitude, ont été réprimées dans le sang. Nous avons enregistré 20 morts pendant ces manifestations, alors que nous réclamions que la publication de vrais résultats. Vous êtes battus. C'est grâce à ces manifestations qu'on est allé au dialogue. C'est grâce à ces manifestations qu'on a eu un accord. Vous vous souviendrez que c'est à la veille d'une grandiose manifestation que le gouvernement, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'administration du territoire et comprenant le conseiller personnel du président et le président du groupe parlementaire du RPG à l'Assemblée sont venus à mon bureau plaider pour qu'on signe l'accord et qu'on arrête les manifestations. On l'a fait. On a signé l'accord. Et puis après, ils se retrouvent pour décider de ne pas appliquer. Et M. Ibrahima Condé se permet de dire que lui n'a rien signé. La presse était présente. Nous sommes dans tout le pays. Lorsque ceux qui ont la responsabilité de diriger le pays à ce niveau élevé sont incapables de reconnaître un acte qu'ils ont posé. C'est spécial. C'est la parole, la crédibilité de la parole présidentielle qui est en jeu. Cet accord a été négocié presque directement avec le président de la République. On nous a dit non, on ne peut pas vous rendre du Bibreka. On prend du Bibreka, prenez Kindia. Nous avons dit qu'on a gagné mieux à Bibreka parce qu'on a eu à Bibreka 60% des suffrages valablement exprimés contre 30 seulement pour le RPG. Vous ne pouvez pas prendre du Bibreka. Il a dit non, non, on prend du Bibreka. On ne négocie pas du Bibreka, on vous laisse Kindia. Et à Kindia, il s'arrange aussi pour prendre la commune et de violer l'ensemble des dispositions de l'accord de Bibreka. Je rappelle ces faits pour vous dire que le combat que nous devons mener exige beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de sacrifices. Si on veut que ce notre pays connaisse une vraie démocratie, que soient respectés dans ce pays les principes et les règles de l'état de droit, qu'il y ait la protection des droits humains, avec Alpha Condé, il n'y a aucune chance. Il faut qu'on ait ça dans l'esprit et qu'on exige. Enfin, son départ, s'il organise une élection, elle n'a aucune chance d'être transparente et équitable. C'est prouvé par ces élections locales. La population a massivement voté pour nous. Notamment à Conakry et en Basse-Guinée. On a battu partout le RPG dans les urnes. Grâce à la confiance de la population, battons-nous pour maintenir cette confiance et pour préserver notre crédibilité. La victoire sera de notre côté parce que le peuple est avec nous et la population a compris. Ils ont volé dans les urnes, ils ont volé dans la centralisation, et maintenant ils sont en train de voler dans l'installation des maires et de l'installation. C'est quand même honteux. Vous prouvez, vous avez tous les éléments, vous avez toutes les preuves. Il n'y a aucun recours qui peut fonctionner pour vous restituer les suffrages volés, les sièges confisqués. Aucun recours. Et il décide de suspendre une partie importante de la Constitution, l'article 10.
qu'il n'y a plus de manifestations en Guinée. Ces manifestations sont autorisées par la loi fondamentale. Avec arrogance, avec mépris pour le peuple de Guinée, ils décident de suspendre une partie de la Constitution. Ils n'en ont ni le droit, ni les prérogatives. On doit plus manifester. On sort l'armée, on l'installe dans la commune de Ratoma. Il n'y a pas d'état de siège. Aucun acte n'est pris pour empêcher les manifestations. Pour que l'acte d'interdiction soit appliqué, on viole encore les lois de la République. Et vous êtes sereine. C'est ça, je suis fier de vous et vous êtes déterminés, malgré tout ça. Ce qui se passe à Matoto, vous l'avez dit. Devant toute la presse qui a fait un compte-rendu fidèle, je la félicite. Un compte-rendu fidèle de l'organisation de l'opération d'élection du maire. Le maire est élu dans la transparence. Devant tout le monde. Ils n'ont pas honte. J'ai envoyé un de leurs faire semblant de semer la confusion. Mais un diplôme m'a dit, mais il est venu trop tard, c'était fini. C'était trop tard. Mais dans n'importe quel pays, son monsieur serait déjà jugé. Et serait en train de croupir dans les prisons. Mais c'est un militant du RPG, candidat sur la liste du RPG. L'impunité leur est garantie, tous les militants du RPG. Aujourd'hui, les militants de l'FPG sont harcelés, arrêtés arbitrairement, envoyés en prison. Sauf aujourd'hui, beaucoup de vos collègues sont dans les commissariats. Ils venaient à l'Assemblée. Ils ont été arrêtés avec leur moto. Ils sont déjà dans les commissariats, dans les escadrons de la gendarmerie. Ils n'ont violé aucune loi. Mais ils sont obligés de rester chez eux parce qu'il y a cet assainissement bidon que le gouvernement incompétent et incapable fait semblant d'organiser tous les samedis. C'est pas comme ça qu'on fait l'assainissement. Ça fait faire qu'on n'embarque pas la ligne. Il y a beaucoup de grandes villes. Il y a un dispositif à mettre en place pour qu'il y ait l'assainissement, pour qu'il y ait la discipline. Non. C'est des décisions populistes. Comme ça, pour qu'on dise, ouais, le gouvernement travaille. Samedi, les gens ne doivent pas aller à leurs affaires, ils doivent faire de l'assainissement. Non. Il n'y a aucun pays, même dans les pays de l'Est, en Chine, partout, il y a une organisation en place pour l'assainissement. Les villes, ce n'est pas pour parler de citoyens tous les samedis sortir pour assainir. Non. C'est parce qu'il n'y a pas de politique publique judicieuse comme ça en existe partout. Donc je voulais vraiment vous féliciter, on s'est battu cette année. On s'est battu pour gagner les élections, c'était pas gratuit. J'ai dit tout à l'heure, on était premier à Dikréka, premier parmi tous les partis politiques à Frétaria, premier à Manéa, premier à Kindia, premier à Boké, premier à Kamsa, premier à Sangareni, premier à Dixil, premier à Mata, premier à Matodo. C'est extraordinaire. J'ai mis 78 quartiers sur 128, 76 sur 128 quartiers à Conakry. L'UFDG les a gagnés. Vous devez être fiers de votre travail. Ça signifie que lorsqu'on travaille, on a les résultats. Malheureusement, en face, nous avons un État brigand, un État failli. Oui. Voilà des gens, ils ont pris l'air à l'argent public. Les ministres ont sorti ça, ils sont allés, ils ont dit à M. Alpha Condé, toute la population est derrière toi, déclenche le processus d'intérieur, le troisième mandat, on va gagner aux élections. Ils se sont acharnés sur les centralisations. Chargez-nous les résultats.
l'hôpital. Parce qu'on ne peut pas, il ne faut pas que leur péché soit humilié à Conakry, à Basse-Guinée. Ils ont intimidé et parfois corrompu les magistrats chargés de présider les centralisations pour qu'ils chargent les résultats. Et ils ont accompli la salle de zone. Moyennant espèce, son amitié est très méchante. Nous l'avons dénoncé. Tu jures que tu voteras pour le RPG. Elle, automatiquement, on appelle le ministre de l'administration. Demain, vous pouvez installer, on est prêt. Et lorsqu'il y a des doutes sur leurs propres élus, parce que nous sommes en peine de règne, personne ne leur fait confiance, même leur élu. Alors, on impose à tout le monde des procurations. Et parfois, on ne consulte pas les gens, ils ne signent rien. Comme ils ont fait à Matoto. Pour aider leur élu, ils disent que toi, tu n'entres pas. On a fabriqué pour toi une procuration. Toi, tu ne votes pas parce que tu n'es pas digne de confiance. On ne te fait pas confiance. Dans quel pays ils ont fait ça? Ils ont remplacé des élus par des non-élus. À Nabou dans Sigiri, au lieu de donner des procurations, ils disent bon, vous n'êtes pas fidèle au RPG, vous ne votez pas. Ils le remplacent par des gens non-élus pour venir voter à leur place. Si ce n'est pas la procuration, il n'y a pas de scrupule, ils n'ont pas de gêne. Ceux qui sont chargés d'instaurer la démocratie, l'état de droit, à des pratiques honteuses pour la République, pour la Guinée, pour le pays. Comment voulez-vous compter sur eux pour organiser des élections transparentes? C'est impossible. Mais les Guinéens se mobiliseront pour mener ce combat. Il y aura en Guinée, ici, une vraie démocratie, une démocratie apaisée, un état de droit, la justice, la protection des droits humains. C'est notre combat. Et croyez-moi, on n'est pas loin de la victoire. Soyez mobilisés, continuez notre combat. On va mettre fin au vol, on va mettre fin à la fraude, on va mettre fin à la violation des droits humains. Nous allons avoir une démocratie exemplaire en Guinée ici, sur près de Dieu, parce que les Guinéens ont pris des consciences. Ils ne veulent pas continuer avec ce système. Et on va le changer, on le réussira avec votre détermination. Permettez-moi de vous souhaiter, à vous et à vos familles respectives, une excellente année 2019 et surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Je voudrais saluer la presse, vous adresser, vous qui, tous les samedis, sont là, êtes là pour couvrir notre Assemblée Générale. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à vous tous. Section Motard, section Tempéré, Péré et Tabé, tous les mouvements de soutien. Oui, je n'ai pas oublié la commission électorale, les assistants techniques et tous ceux qui prient la nuit et le jour pour la victoire de l'UFDG. Je vous souhaite une excellente année 2019. Merci. Rappelons la fin de la vie de l'Union, c'est la fin de la vie de la